Baby, you can go about your business. Ah, je suis du mauvais côté. Je suis trop mal placé, moi. C'est tout simplement le championnat de France qui est sur Mantes-la-Jolie. On est sur l'avenue Maréchal Juin. Alors, bien sûr, les voitures n'ont pas le droit de rouler ici pour l'instant. Donc, vous voyez quelques petites voitures qui roulent par là-bas, mais bon, bientôt ça va être interdit. Bon allez, à tout de suite. Morgane Costant, toutes les deux, de Saint-Julien-en-Genevois. Vous voyez, alors ça c'est cycliste, hein. C'est des championnats. Elle aussi de Saint-Julien-en-Genevois. Et le 125, Marion Bessonne de Provence. Favorite, de grande favorite dans ces championnats de France 2018. Thank you.
d'autres informations. Il y en a qui sont vachement loin, hein, mais là, il y en a quelques-uns qui ne sont pas tellement loin, qui sont arrivés, mais bon, là, pour l'instant, c'est rien. Alors, bien sûr, je ne suis pas Eurosport actuellement, donc voilà, tout simplement. Donc, j'espère que ce petit championnat vous te plaira. Là, championnat de France sur Mantes-la-Jolie. Donc, moi, je ne suis pas sportif dans ce milieu-là, mais ça fait un plaisir de vous faire une petite vidéo sympathique sur le championnat de France cycliste féminin. Et je le précise bien. Donc, félicitations hein, pour les filles, surtout. Donc, ne vous inquiétez pas, je vais couper, je vais vous reprendre dans quelques minutes si je vois les cyclistes. Donc vous voyez, c'est toujours pareil, hein, mais bon. Alors donc vous entendez tout ce qu'ils disent, les commentaires en live. Donc la commentatrice en train de dire les informations. Alors dommage, je vous ai diffusé une vidéo tout à l'heure en live sur sur Eurosport 2. Donc tout simplement, bah, je fais la suite tout simplement comme je vous ai promis en. Donc voilà, et ça va pas tarder à arriver, donc ça va arriver, hein, le peloton il est encore assez loin du SI. On est en grand nombre par rapport aux autres équipes, on est marqué au glissant par les différentes formations des Grecs avec 45 concurrents en tête, et bien la même chose, sont complètement différentes, on est dans une sorte de rang d'observation actuellement, donc pas d'attaque dans ce groupe de tête, on est à 33 km. Vous avez entendu, hein, Gassicourt, hein, je précise bien Gassicourt, donc voilà, c'est une information que je voulais entendre, donc j'ai bien confirmé ce que je voulais dire, hein. Donc bah, je ne serai pas là-bas, mais je serai de ce côté-là, pour l'instant j'attends les cyclistes, voilà, 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 il y en a une qui arrive là, félicitations, voilà. Je suis désolé, hein, faut être rapide dans le domaine vidéo comme ça. Absolue dans un championnat de France d'âme, 125 mètres. Donc c'est quoi cool. C'est du cyclisme hein. Et du sportif, c'est pas tous les jours que je filme des vidéos comme ça. Donc pour une fois, c'est un honneur d'en filmer au moins un. Donc bien sûr, je tourne en 4K. Et pour votre information, c'est pas toujours super super de filmer parce que c'est très difficile. Donc vous savez, c'est interdit d'aller de l'autre côté aussi. Parce qu'il ne faut pas empêcher les cyclistes à rouler. Chargé que on va dire moitié d'une heure hein. Mais bon ça va aller je pense, c'est pas tous les jours que je filme ce genre de vidéo. Donc vous êtes toujours sur ma chaîne Digitony78, normalement on n'est pas sportif mais on fait un peu le plaisir de la vidéo. Donc, allez, une petite pause tout à l'heure. Ah, pardon. Voilà, donc, ils ne sont pas encore arrivés. Hein. Voilà,
Donc on assiste à un retour du peloton sur les concours de tête alors qu'elles sont à 10 km d'un nouveau passage donc, sur notre ligne d'arrivée. Et là, elles entameront le dernier tour avec toujours une quarantaine de concurrentes. Ah, pour l'instant, il y a deux petites voitures, hein, mais bon. C'est quand même un certain kilomètre là pour l'instant. Ils sont à 4-5 km d'ici pour l'instant, d'après ce que je comprends. Mais bon, alors ne vous inquiétez pas, ça va aller vite. Allez, bah écoutez, on se reprend tout à l'heure. Ah, j'ai loupé les filles. Hop, c'est pas bien. Désolé. Putain, quelle chance, hein. Funaise.
dès l'arrivée, donc Pauline Ferrand-Prévot, à 27 km, elle n'a jamais eu plus de 20 secondes d'avance. Va-t-elle réussir à conclure victorieusement ce championnat de France ici à... Et vous voyez, hein. Donc, un petit peu plus que 3. Et là, il y aura les deux voitures publicitaires et qui vont passer. Mais bon. Se quitter pendant un petit moment et dès que je vois des cyclistes qui arrivent, je reprends la vidéo. Donc j'attends un peu, hein. Il va rester, mais bon. Bon, pour l'instant il n'y a rien, donc à tout à l'heure, à tout de suite, à tout à l'heure, comme vous voulez. Je ne vais pas tarder à arriver, la vidéo sera montée comme d'habitude. Allez, à tout à l'heure. Et en 2015, Fischintel était le vent en 2016, et Charles Bravard était le vent en 2017. Alors que commence ce championnat, s'attaque avec Annabelle Préville, que nous retrouvons là donc en première ligne, la concurrente donc de l'équipe Lotto Soudal, Ladies, donc qui tente sa chance vers le bas de peloton qui rapide alors que nous sommes à 9 km de l'arrivée. Et oui, les attaques qui fusent bien sûr dans tous les sens maintenant dans cette difficulté. Ici, on le voit bien sûr à l'image, donc sur l'écran géant, 9,4 km sont désormais avant l'arrivée. Et bien de concurrence avec Annabelle Gouville notamment, qui sont sortis et qui sont en train de creuser l'écart, bien entendu. Ta tronche qui m'intéresse. On va pas voir me filmer. Oh, et oh. Je sais que tu es peut-être en allant là-dedans. Hein? C'est pour ça que je t'ai mis bloqué. Ferme ta gueule, mec. Bling. Voilà, c'est donc la piste de Russe du Léopard Normandie qui est actuellement et bien en compagnie d'Annabelle Gouville avec une version 800 désormais arrivée. On va pouvoir chercher des regards bien sûr sur les images en quelques secondes. Maintenant, allez voir qui sont en train de discuter en fait des choses. Allez, se retourne en rapide coup d'œil. Chambéry, elle avait réalisé de bonnes performances également sur les routes du Tour de la Flèche brillant également donc dans la Flèche Wallonne. Et on la retrouve là donc championne de France contre la montre, accompagnée donc de la concurrente du comité de Normandie que nous avons au commandement donc Gladys
Vérest, que nous retrouvons également en tête. Elle est originaire de la région de Rouen, à 21 ans. Et oui, elle est en train de sortir toute seule, justement, elle tente, et vient de se mêler à la bonne Greville, avec la dixième russe, donc du team Léopard Normandie, avec les deuxièmes du côté de la classique de Villepoix-de-Charente à Loudun, le 17 juin dernier, vice-champion de France junior en 2015, troisième sur la Roue-Ouest, il y a quelques semaines également, lors de manche 4e au classement général. Et là voilà, elle vient qui tente de fausser compagnie à la belle Greville. Voilà, la concurrente normande qui a le nom d'un ancien champion belge, Vérust. Donc, que nous retrouvons le commandant Gladys. Vérust installé en tête à la belle Greville, donc qui a été. On est plutôt intérêt à collaborer, on est dans cette photo tout à l'heure. Elle vient pour les faire entrer, vous allez attaquer. Les questions qui sont assez connues, les différents championnats de France. Voilà un écart par contre qui est en train de. Et oui, la légère qu'on avait vu déjà très active au tout début d'épreuve tout à l'heure, qui est de nouveau à l'avant de cette course avec Haute Gannic également. Attention, peut-être bien le démarrage justement sur la droite. Voilà, effectivement, accélération là, c'est une partie. Un peu de l'arrivée maintenant, 12 secondes. Les trois concurrentes de tête, Gladys Vérust, Normandie, Annabelle Tréville, de l'équipe Lotto et Haute Bianic, la concurrente donc de. À deux reprises également pour poursuite par équipe. Elle est également championne de France dans les rangs juniors. Il y a 12 ans tout pile, elle pourrait renouer avec ce maillot tricolore. Allez, 1,8 km avant, un nouveau titre de championne de France.